Salut les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Alors, si vous avez vu mon dernier podcast, vous allez dire, non mais elle s'habille toujours pareil. Oui, c'est ça, j'ai tourné plusieurs vidéos à la suite dimanche après-midi pour pouvoir proposer du contenu un peu plus régulièrement. C'est ce que j'avais dit que je ferais, donc j'essaye. Alors, aujourd'hui, comme vous l'avez pu le voir peut-être dans le titre, je vais vous parler de kit lingerie. Alors, kit lingerie dans le grand sens du terme kit lingerie avec ou sans patron, alors surtout sans patron d'ailleurs là, pour un ensemble ou pour plusieurs ensembles, avec les prix, ce que les comment je vais essayer de vous donner les métrages, de vous dire ce qu'il y a exactement dans la box. Voilà, pour que vous puissiez vous faire un avis, je vous donnerai le mien. Alors, mon avis est positif sur tous les kits que j'ai achetés. J'en ai acheté 1, 2, 3, 4 kits différents. Il y en a un peu pour tous les budgets et il y en a pour tous les goûts. C'est vraiment selon ce que vous allez chercher. Moi, je vous donne simplement mon avis, mon retour de ce que j'ai pu trouver dans ces kits. Si j'ai aimé ou moins aimé, il n'y a rien que j'ai détesté. C'est que de la bonne qualité. Il n'y a pas un kit que je vais dire non, non, surtout, l'achetez pas parce que c'est nul. Non, pas du tout. Je veux vous donner mon avis objectif des choses, sachant que je n'ai encore rien cousu dedans. Mais mon avis de quand j'ai reçu ces box, qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc, ce que je disais, il y en a pour tous les budgets. Ça va de 23,50 € pour le moins cher à 80 € pour le plus cher. Oui, vous allez me dire, ça fait une bonne fourchette de prix. C'est ça. Mais par exemple, dans les kits les plus, on va dire, les plus accessibles, il y a beaucoup moins de fournitures que dans les kits plus chers. Donc, on va commencer par le kit le plus cher et on ira jusqu'au kit le moins cher. Alors, premier kit que je vais vous présenter, c'est le kit de Charlotte Jobert. Le kit, en fait, c'était, que je vous dise pas de bêtises, j'ai tout noté hein, pour vraiment vous dire aucune bêtise. C'est un coffret fourniture lingerie à composer. Il y avait 8 catégories. De fournitures à choisir. Voilà, pour 80 €, je vous donne tout de suite le prix. 80 € le kit à composer où il y a 8 fournitures différentes à choisir. Sachant que ce kit, on l'a avec Caro. C'est Caro qui l'a commandé sur le site de Charlotte Jobert le soir où ce kit est sorti. Et c'est un peu frustrant de le faire le soir de la sortie du kit parce qu'on veut absolument, par exemple, le combo qu'on voulait. Donc faire ces combos de couleurs, etc. Et on veut faire ça rapidement puisque beaucoup, beaucoup de monde sont sur le site et beaucoup de monde choisissent bah, des fois la même chose que vous. Et donc ça disparaît rapidement. Donc c'est assez stressant de choisir dans ces conditions. Sachez que le kit à composer est toujours sur le site de Charlotte Jobert. Je vous mettrai bien sûr en barre d'infos le lien pour aller voir. Si vous voulez aller voir, voilà, vous n'êtes pas obligé d'acheter, mais pour aller voir. Les kits à composer, il y a aussi d'autres kits qu'elle propose sur son site. Voilà. Donc ça, c'est le kit à composer. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans ce kit? Alors, j'aurais aimé vous faire une vidéo où vous voyez en plan machin sur ma table. C'est pas possible. À chaque fois que je fais ça avec ma ring light, ça se pète la gueule. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, voilà. Tant que je n'en aurais pas investi dans quelque chose de plus pro, je ne peux pas. Donc, dans ce kit, alors, donc, ça se présentait dans la pochette, voilà. Alors, une fois que vous avez ouvert la pochette. Donc, nous, on avait choisi de la dentelle couleur canard. Donc, un galon de dentelle de 3 mètres. Alors, vous ne voyez pas la bonne couleur, hein, c'est vert canard, hein, ce n'est pas ce que vous voyez. Si j'éteins la lumière. Non plus. Bon, sur lumière naturelle, c'est peut-être pas plus mal. Donc, c'est vert canard, c'est pas bleu comme ça, hein, pas du tout. Ah, peut-être là dans le revers, vous voyez mieux la couleur. Oh non, mais. Faut que je me mette dans une grotte. Donc, vert canard, il y en a 3 mètres. Il y a 3 mètres de galon de dentelle. Les galons de dentelle vont entre 19 et 23 cm selon votre choix. Celui-ci fait 23 cm, donc c'est très très bien. Pour un smoothie, par exemple. Ça serait très bien. Si vous avez vu ma dernière vidéo sur le smoothie, ça serait une dentelle parfaite. Elle est douce. Elle est d'une très belle qualité. Non, mais ouais, voilà. Elle est très belle, hein. C'est une dentelle de Calais. Voilà, on va pas dire. Elle est très très belle. Hein.
et il y en a quand même 3 mètres. Donc vous voyez, je vous disais, smoothie, on peut le rentrer dans 2 mètres 50. Là, vous pouvez la rentrer, vous pouvez rentrer par exemple votre smoothie largement dedans. Vous pouvez même faire des découpes pour faire une culotte à côté, hein. Donc 3 mètres, 2 gallons de dentelle. Ensuite, dedans, vous trouvez 50 cm de tissu ou de résille, selon ce que vous avez envie de choisir. Sur la laisse, donc c'est 50 cm de haut sur la laisse. Hein. Alors là, il est bleu canard aussi. Oh, ben ça y est, il y a le soleil qui arrive. Il est bleu canard aussi. Et ça, c'est plutôt un lycra, une microfibre. Ouais, une microfibre bien extensible. Ouais, bien extensible dans les deux sens, mais moins dans le sens de la laisse. Ah si, quand même. Ah ouais, non. Il est doux. Il est d'une douceur extrême. C'est vraiment une microfibre, pardon, de très très belle qualité. Vraiment. Elle est extrêmement fine. Vous voyez, non, elle est très très belle. Donc ça, on en a 50 cm dans le kit à composer. Ensuite, on a des trims. Non, on n'a pas de trim. On a une trim. Des trims. Alors, normalement, vous allez à choisir une trim large de 3 à 6 cm et une trim fine. Alors, qu'est-ce que c'est la trim dans tout ça? Ah, trim fine. Voilà, ça, c'est une trim. C'est un petit galon de dentelle, en gros. Pardon, ça, c'est la trim fine. Donc, il va de 1,7 cm à 2,5 cm. Je vais vous dire la mienne, combien elle fait. Celle-ci, elle est vert d'eau, elle est magnifique. Ben celle-là, elle fait 1,7, voilà. Donc voilà, la trim de dentelle qui est élastique. Donc on peut mettre, par exemple, sur un bord de décolleté. C'est très joli. Voilà. Ensuite, on a un élastique simple. Celui-ci. Donc, alors, je ne vous ai pas dit. La trim fine, il y en a 5 mètres. Pardon. L'élastique simple, voilà, un petit élastique tout simple que je vous ai fait voir si vous avez vu ma vidéo sur le smoothie qui se met là sous le bras. Donc voilà, élastique simple, il y en a 5 mètres aussi, de 0,6 à 0,8. Alors, combien il fait celui-là? J'en sais pas, j'ai pas mesuré. Alors attendez, en plus je vois pas grand-chose, il fait 6. 0,6. Donc voilà. Ensuite, on a 5 cm d'élastique large. Donc voilà, élastique large. Donc 5 mètres aussi. Il fait de 1,5. Non, de 1,7. Ah ben, il fait 2. Jusqu'à 3,5 selon celui qu'on choisit. Donc celui-là, moi, il est vert d'eau. Il est très joli. Il est doux. Il est doux d'un côté et pas de l'autre, normal. Il est. Très bien en résistance, pas trop raide, mais pas trop souple. Pareil pour celui-ci, il est extrêmement doux, le fin. L'élastique simple fin, il est extrêmement doux. Et il a une bonne résistance. Donc, c'est de la bonne qualité, je peux dire. Ensuite, on a 5 mètres, pardon, de picot. Donc, voilà, le picot. Alors, le picot, c'est pareil, doux, là. De ce côté-là, il est trop doux. Je vais essayer de vous le prendre d'un côté. Alors, je ne vais pas tout défaire, mais voilà. Voilà. De ce côté, il est ultra doux. Bon, c'est vert canard, hein, vous ne voyez pas du tout vert canard. Et de ce côté, je vous le mets comme ça. Là, il n'est pas doux. Et là, de l'autre côté, il est très doux. Pareil, il a plutôt une bonne tenue. Il revient bien et il est assez ferme. Donc ça, c'est pas mal. Et donc, je vous ai parlé de la trim large. Et voilà, c'est celle-ci, en fait, la trim large. Ou alors, c'est la fine. Oh, bon, on ne voit pas trop la différence, en fait. Bon, ben ça, c'est la deuxième trim. Je ne peux pas dire, c'est parce que dans les trims larges, il y a de la moins large. Et dans la trim... Donc, pareil, vous voyez, c'est quelque chose qu'on peut mettre en décoration sur le bord des culottes. C'est très doux, c'est très joli. La dentelle est très belle. Enfin, le motif, j'aime beaucoup. Et il y en a trois. Alors, il y en a une, il y en a 3 mètres, l'autre, il y en a 5 mètres.
Alors, je sais, je pourrais pas vous dire du coup. C'est la trim large, laquelle c'est? Ah, mais il veut pas se mettre comme il faut sur ma main. Voilà, donc il y en a une large et une pas large. Mais j'avoue que même sur le site, j'avais pas totalement vu la différence entre les deux. Alors peut-être que c'est celle-ci la large. Et celle-ci, elle ne veut pas se mettre comme il faut, donc vous ne pouvez même pas la voir, elle m'énerve. Allez, s'il te plaît. Voilà. Donc ça, c'est les deux trims de dentelle. Bon, on va partir sur celle-là qui est en large et celle-là qui est en plus fine. Voilà. Donc la plus fine, elle fait normalement 5 mètres et la plus large, elle, il y en a 3 mètres. Donc vous voyez quand même dans ce kit, bon, vous allez me dire 80 euros, ok, c'est pas donné. Il y a quand même de quoi se faire. Un ensemble culotte, un ensemble, je pense que voilà, il y a largement de la fourniture pour se faire un ensemble. Voilà, avec tous les élastiques différents, vous arrivez à vous faire une culotte et un soutien-gorge. Avec tout ça, je pense qu'il n'y a pas de souci, puisque ça va être votre doublure de votre soutien-gorge, mais il vous en restera sur 50 cm, sur la laine, même sur 140, il vous reste largement de quoi vous faire le dos d'une culotte et le devant par exemple en dentelle ou des découpes sur le côté en dentelle. Donc voilà, vous pouvez vous faire un ensemble de lingerie facilement avec ce kit. Il est très très joli. Les matériaux sélectionnés sont de très bonne qualité. Maintenant, est-ce que je réitérerai mon achat? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que, bon, bah voilà, c'est une question de prix, hein. Alors, je ne dis pas que ça ne vaut pas le prix. Mais on va dire que ce n'est pas dans mon budget habituel. Ça vous fait un ensemble de lingerie à 80 euros. Oui, si on va dans un magasin, on en a des fois pour beaucoup plus cher que ça. Donc, si on veut se faire plaisir, franchement, allez-y. Voilà, c'est de la bonne qualité. Le packaging est sympa. Voilà. Le kit à composer de chez Charlotte Jobert. En plus, le plus, moi je trouve, du coup, c'est que vous pouvez composer et mettre ce que vous avez envie dedans. La chose que, du coup, je trouverais qui manque, c'est l'attache si on veut faire un soutien-gorge. Voilà, il manque l'attache dos et les petits régleurs. Voilà, c'est tout ce qui manquerait à ce kit. Donc, élastique bretelle. Parce qu'il n'y a pas d'électrique bretelle. Voilà, c'est un kit à lingerie, mais on peut, en gros, si on n'a pas, on peut pas faire de soutien-gorge avec ce kit. Il nous manquera des choses. Donc voilà, il manquerait bretelle à soutien-gorge, et puis donc les régleurs, et puis les petites attaches derrière pour qu'on puisse faire que ça soit un kit complet. Mais voilà, Charlotte a choisi de mettre que ça, et bon, c'est son choix, c'est sa marque, elle fait donc ce qu'elle veut. Voilà, deuxième kit. Alors là, pour le coup, je ne vais pas pouvoir vous donner de mesure puisqu'il n'y en a pas. Bon, alors, vous voyez, regardez dans le kit, mais sur le site, il n'y avait pas. Donc, c'est la box de chez Je fais mes dessous. Voilà, la box. C'est la box Je fais mes dessous. La box qui apparaît qu'une fois par saison. Oui, c'est ça. Printemps, été, automne, hiver. Donc, j'ai pris celle de printemps, voilà, parce que j'avais vu le mood board qui avait été proposé. Et j'avoue que les couleurs printanières et le rose, j'adore. Moi, j'adore le rose, hein. Je suis une fan inconditionnelle du rose. Donc, voilà tout ce qu'on va trouver dans cette box. Donc, c'est une box où vous allez pouvoir faire 5. Normalement, vous allez pouvoir faire 5, 3, 3 ensembles de lingerie. Voilà, donc vous avez différentes matières et différents élastiques pour faire vos lingeries. Vous avez aussi des petits nœuds et des petites étiquettes avec écrit « Je fais mes dessous dessus ». Donc ça, elle est belle cette box. En fait, déjà quand on l'ouvre, quand on l'ouvre déjà, on fait waouh. C'est déjà le waouh de l'ouverture. Donc il y a deux petits nœuds. Non, pas, pardon. Excusez-moi, trois petits nœuds. Donc on peut mettre entre 5
et puis un sur la culotte. Donc voilà pour les trois. Pour les trois. Donc vous avez trois. Comment ça s'appelle? Étiquette à coudre. Trois petits nœuds pour faire vos lingeries. Alors, dans cette box, vous avez un explicatif de quel élastique sert à quoi. Donc ça, si vous avez, je vous mets aussi la vidéo de Caro qui a parlé de ce kit en barre d'infos. Si vous voulez aller voir son avis. Voilà, on n'a peut-être pas des avis. Alors sur ce kit, je pense qu'on a des avis qui se rejoignent. Donc par exemple, voilà. Le 1, ça sera tout ce qui est élastique pour faire sa culotte ou pour faire le décolleté. L'élastique où il y a un numéro 2, ça sera pour les sous-bras. L'élastique, enfin les 3, ça sera pour les sous-poitrines. Et 4, ça sera tout ce qui est bretelles de soutien-gorge. Donc par exemple, en 4, on a déjà 3 bretelles de soutien-gorge. Donc on a une satinée apicot avec les deux régleurs. Et les deux anneaux, les deux anneaux et les deux régleurs. Voilà. Ensuite, on a le même mais en corail. Oui. Voilà. Donc ça, c'est le numéro 4. Et des toutes simples, toujours pareil, avec les boucles et les régleurs en satiné et bien sûr toutes douces à l'intérieur. Donc ça, c'est déjà les numéros 4. Donc on a dit que numéro 4, c'était les bretelles. Ensuite, vu que je les découvre, j'ai trois attaches. Donc moi, sachez que cette box, elle est vendue en plusieurs tailles. Donc, mais que vous preniez les trois plus petites tailles ou les trois plus grandes, c'est le même prix. C'est 33, c'est 33, c'est 65 euros. Donc moi, j'ai choisi dans la taille du tube pour avoir ce genre d'attache donc plus large. Donc on a une large et deux un petit peu moins larges, mais qui sont quand même de bonne taille, je trouve, pour moi. Pareil pour les élastiques bretelles, me conviennent très bien. On a du cache armature, donc noir. Voilà. Ensuite, je vais passer au numéro 1. Numéro 1, on a dit que c'était pour les culottes ou pour les décolletés. Donc, c'est des petits élastiques. Alors, on a un petit pré-plié ici, mais vraiment tout petit, petit. Alors, où est-ce que j'ai pour vous faire voir? Est-ce que j'ai pour vous faire voir le tout petit? Alors, voilà. Il est vraiment. Oh, en plus, il est noir. Donc, voilà. Il est vraiment tout petit. Une fois plié, c'est vraiment mini, mini, hein. Voilà. Ensuite, on a deux petits élastiques apicot, un rose un peu plus pâle et un rose un peu plus soutenu. Voilà. Donc ça, c'est des numéros 1. Je vais essayer de ranger dans ma boîte, mais bon, je suis pas sûre que ça soit bien à la fin. On a ensuite trois élastiques encore différents du numéro 2. C'est donc les sous-bras. Donc c'est des élastiques apicot un peu plus larges. Donc un noir. Élastique apicot noir. Voilà, un toujours dans un rose un peu plus soutenu et un élastique simple un peu plus pâle. Voilà, ça va tout par trois en fait, hein. C'est comme ça. Et ensuite, on a les sous-poitrines. Donc, on a un noir, oh, il est trop doux, en velours trop doux, mais vraiment trop doux, hein. Qui a une bonne résistance. Ouais, il est trop beau celui-là. On a un picot noir que j'adore. C'est exactement le même que j'avais déjà pris. Je ne sais plus où, mais voilà. Et celui-là, il est vraiment, j'adore. Et on a du rose simple sans picot. Et celui-ci, c'est pareil. Il a une bonne résistance. Il est bien ferme. Pour les sous-poitrines, il va être trop top. Donc voilà, tout ça pour les élastiques. Je vais les enlever du coup, parce que autrement, je ne vais jamais réussir à prendre tout ça. Donc voilà pour les élastiques. Donc à chaque fois, vous avez trois de chaque. Donc vous pouvez largement vous faire plusieurs ensembles.
Ensuite, on a les mailles et les tissus. Donc, on a déjà, je vais commencer par le D. On a de la résille extensible. Donc, comme ça. Ah, elle est extensible dans les deux sens. Elle est d'une beauté. Elle est douce. Elle est trop douce. Oh. Ouais, elle est trop douce. Donc, de la résille. Alors, je ne peux pas vous dire combien il y en a parce que c'est absolument pas noté. Mais il y en a quand même, à mon avis, il y a une bonne cinquantaine de centimètres sur la lèse, hein, largement. Ensuite, j'ai. Oh, j'ai pas la petite étiquette. Bon, ben ça, c'est facile, hein. C'est de la dentelle de taille Calais extensible. Allez, voilà. Je vais essayer de. Voilà, vous trouvez où je peux vous la montrer. Voilà. Ah, elle est belle. Elle est douce. Ah, elle est trop belle. Alors, extensible, effectivement, dans la largeur. Et un peu moins là. Tout à fait de belle qualité. Et de. Oh, ouais, elle est trop belle. Trop, trop belle. Je rangerai après, hein, bien sûr. La dentelle, c'est tout. Hein. Donc, ça, c'est donc. Donc, ça, c'est normalement que je ne dise pas de bêtises. C'est C, la dentelle. Ensuite, j'ai B. B, c'est de la microfibre, aspect crêpe, très fine, extensible, utilisée pour vos ensembles lingerie. Bon, ça, je me vois trop une culotte là-dedans, quoi. Elle est trop belle. Ou même un soutien-gorge. Ouais, elle est. Écoutez. Elle est belle. Elle est douce. Elle est aspect crêpe, mais elle n'est pas du tout. J'aime pas le toucher du crêpe. Et là, pas du tout. Elle est douce, elle est. Oh, les couleurs sont magnifiques. Ah ouais, j'adore. Ensuite, on a de la maille texturée verticale, extensible, mais légèrement gainant pour utiliser pour réaliser des ensembles lingerie. Donc, on va quand même, on va démonter. Je vais essayer de pas tout démonter, mais de vous faire voir. Ouais, alors là, ouais. Oh là là. Donc, elle est extensible. Bon, c'est pas grave, je démonte tout. Voilà, donc on en a ouais, une bonne quarantaine de centimètres. Oh, oui, bien. Et donc, un petit peu, enfin, extensible comme ça. Et beaucoup comme ça. Donc, ouais, pour faire une culotte, du coup, ouais, il y a moins d'extensibilité sur ce sens-là. Donc, du coup, ça peut effectivement avoir cet effet gainant. En tout cas, elle est très très belle et j'adore le. Ouais, j'adore le comment le porter, le toucher. Le porter. Oui, bien sûr, je l'ai porté là. J'adore le porter. Le toucher. Non, mais je vais y arriver. La fille qui insiste dans sa bêtise. Ensuite, en E, on a du Power Net Strong, c'est-à-dire du Power Net qui a une bonne rigidité. Voilà. C'est-à-dire que hein, et bien. Il est là. Dans les deux sens, bien sûr, et il est bien raide, quoi. Enfin, voilà, c'est. Il n'est pas souple. Voilà. Je vais y arriver. Ensuite, en F, on a de la marquisette. Alors, ça, c'est. Ça, faut aimer, hein. Moi, je trouve que c'est pas très, très agréable sur la peau. Mais à essayer, j'ai encore jamais essayé de le mettre vraiment sur ma peau, mais juste au toucher, c'est ce qui me séduit le moins, en fait, la marquisette. Mais celle-ci est quand même assez douce. À voir. Donc, on a aussi de la marquisette. Donc, la marquisette, c'est une doublure qui stabilise, indispensable pour la réalisation des soutiens-gorge avec armature. Vous l'utiliserez pour doubler la basque ou entre les seins afin que ceux-ci ne bougent pas. Voilà. On peut doubler aussi les bonnets avec. Je ne suis pas sûre que j'ai envie de ça au contact de mes seins, mais pourquoi pas. Et en G, on a le jersey de coton pour bio pour faire les fonds de culotte. Donc, fond de culotte, marquisette Power Net, résille extensible. Donc, c'est celle-ci. Voilà, je ne vous ai pas dit la résille extensible, très extensible et toute douce. Vous pouvez l'utiliser pour doubler les bonnets d'un soutien-gorge en dentelle sans armature pour réaliser le dos d'une culotte en résille. Donc, super. Super bonne idée. Alors, bien sûr, je n'ai pas replié comme il faut, autrement ça rentrerait bien, n'est-ce pas?
Je vais essayer quand même de tout ranger dans ma boîte correctement. Ouais, je suis pas sûre. Je suis vraiment pas sûre. Donc voilà. Ensuite, on avait la microfibre, la résille et tous les petits élastiques. Voilà. Bon, c'est moins bien rangé qu'avant, hein, on est d'accord. Hein. Mais voilà, j'ai tout remis dans la petite boîte. Donc voilà le coffret. J'ai oublié de vous dire qu'il y a dans ce coffret. Oh, ben, j'ai retrouvé mon petit C. Vous me demandez où il avait disparu. On a aussi en cadeau dans cette box le patron de la culotte Elisa. Donc le patron en taille réelle. Avec toutes les tailles et le petit livret explicatif pour monter notre culotte. Donc ça, c'est super cool, c'est un super beau cadeau. Donc cette box, elle est disponible que 4 fois par an. Voilà, donc il faut être abonné à une newsletter quelconque pour pouvoir la voir. Bon, en tout cas, c'est un achat que je ne regrette pas et que par contre, je renouvellerai sûrement en été et à l'automne. Parce que franchement, les choix de matière sont très jolis. On a vraiment tout ce qu'on veut, dont on a besoin pour faire un patron de lingerie. En plus, là, il y a la petite culotte, donc je vais pouvoir tester la petite culotte. On peut faire soutien-gorge avec ou sans armature. Vous pouvez bien sûr aller sur le site Je fais mes dessous. Ils ont de nombreux patrons, mais je pense que vous pouvez utiliser bien sûr avec d'autres patrons du moment où le métrage qu'on vous demande sur le patron... il soit dans la quantité des matériaux fournis. En tout cas, c'est des matériaux de très bonne qualité, que ce soit les dentelles, les tissus spécial lingerie, les élastiques, tout est de très très bonne qualité. Et je ne regrette pas voilà, d'avoir acheté cette box. Donc, je vous rappelle son prix. La box est à... alors, c'est toujours en frais de port, hein, je ne vous ai pas précisé tout à l'heure. 65 €. Voilà, tous les bah, du coup, tous les 3 mois, hein, puisque, oui, c'est ça, tous les 3 mois, il y a une box printemps, été, automne, hiver. Donc, voilà, moi, je trouve ça plutôt bien. Franchement, ouais, je l'adore. Vraiment, c'est mon coup de cœur box multi, on va dire, multi-ensemble, puisque là, on peut quand même faire pas mal d'ensemble. Dans celle de Charlotte Jobert, on peut faire un ensemble, je pense. Dans celle-ci, clairement, on peut faire 3 ensembles sans problème. Après, ça va être aussi selon sa taille de vêtements. Hein. J'ai oublié de ranger ma dentelle. Le boulet. Bon, je vais ranger ma dentelle. Je vais la poser dessus. Je rerangerai ça comme il faut tout à l'heure, si je ne veux pas que ma vidéo dure 3 heures. Ensuite... j'ai commandé, alors là, je pense que vous allez rigoler de moi, mais vraiment, vous allez vous foutre de moi, et vous aurez bien raison. J'ai acheté un kit chez Fitiou. Alors, vous allez me dire, oui, et alors? Donc, dans ce kit, dans le kit que j'ai choisi, qui est à, que je vous dise pas de bêtises, 33,50 €, donc vous voyez, on dégraisse encore en prix. J'ai choisi celui-ci. Donc déjà, je vais vous faire voir. Donc, il se présente dans une petite boîte comme ça, super sympa. Donc d'un côté, on a toutes les fournitures élastiques. Et de l'autre côté, on a toutes les fournitures tissus dentelle. Voilà. Voilà. Avec la petite carte qui est trop mignonne parce que c'est une carte à planter. J'avais vu ça dans un reportage à la télé et ça m'a fait trop marrer quand Caro elle en a parlé qu'ils aient choisi ce mode. Je trouve ça vraiment très rigolo, donc je la planterai aussi. Donc dans ce kit, on pourra faire soit un soutien-gorge smoothie jusqu'à la plus grande taille, ou Cosmo dans la plus grande taille, un tanga plus un boxer ou un soutien-gorge donc chez Rilada, plus sa culotte. D'accord? Donc, ça, c'est en parlant des modèles de chez Fitiou. Donc, moi, je sais déjà que je pourrais me faire soit un smoothie, soit un Cosmo dans mon kit.
Donc voilà, pour 33 euros, je sais que je peux me faire mon soutien-gorge. 33,50 euros, pardon. La chose qui est très intéressante, c'est que quand vous achetez un kit, n'importe lequel, vous avez le droit à 15% sur un patron. Donc, si vous achetez, par exemple, moi j'aurais pu m'acheter Fiti, n'importe quoi. J'aurais pu prendre un autre modèle. Bon, il n'y avait pas d'autres modèles qui étaient dans ma taille, puisque moi, il faut au moins que j'aille jusqu'au 110, voilà, 110, 115, c'est mieux, mais bon, 110, minimum. Donc, j'avais pas d'autres modèles qui me plaisaient pour le moment. Donc, voilà. Mais vous allez me dire, mais on la connaît cette dentelle, Alice, mais pourquoi t'as racheté ça? Vous la voyez là? Alors là, j'en ai 3 mètres, je crois. Et là, j'en ai racheté en kit. En fait, quand je suis allée sur le site de Fitiou, je me suis dit, je veux un kit. Je veux tester le kit. Je veux acheter le kit. Et ben, il y avait soit noir, soit rouge. Alors, rouge, je ne voulais pas, pas pour le printemps-été. Plutôt, je pense que je craquerais sur le rouge plutôt automne-hiver. Je voulais quelque chose d'un peu peps, d'un peu estival. Festival. Estival. Et donc, j'ai flashé tout de suite au lit. Je l'ai mis dans mon panier, je l'ai commandé. Et quand je l'ai reçu, je l'ai ouvert. Je me suis dit, non, mais c'est pas une gourde quand même. C'est exactement le même que la dentelle que tu avais déjà achetée sur ProDentelle parce que tu ne l'avais pas trouvée sur Fitiou. Voilà. Bon. Bref, en tout cas, moi, je suis hyper contente de ce kit. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce kit? Je vais vous dire ça tout de suite. Parce que j'ai les tout noté. Alors, les tissus, on a un coupon de dentelle. Voilà. Alors, on ne nous dit pas combien de mètres. Non, il n'y a pas de mètre. Mais il fait 20 cm. Voilà. On a une doublure rigide. Donc, c'est ce que je vous disais que j'avais acheté au détail sur leur site. Alors, voilà, elle est élastane d'un côté, élastique d'un côté, mais pas du tout de l'autre. Voilà. On a un coupon de jersey. Voilà, de 20 par 20, je crois qu'il fait. Ou non, c'est même pas écrit. Ouais, ça doit être ça. 20 par 20 pour un fond de culotte. Voilà. Je vous ai pas... Non, c'est pas écrit. Donc, un double, rigide, la doublure rigide, pardon, avec un sens du stretch mécanique, donc normal. Idéal pour doubler les bas bonnets de smoothie. Voilà. Donc, ça, déjà. Mais je sais déjà que ça, c'est un smoothie, quoi. Enfin, ouais, c'est obligé, c'est obligé. Les fournitures. Donc, on a du biais cache armature. Donc, celui qui est tout en bas là, c'est du biais cache armature. Ensuite, on a de l'élastique 0,7 de large pour coudre une culotte ou pour le décolleté de smoothie au-delà de la taille XL. Donc, celui-là. Voilà. Et pour que tout le monde puisse trouver son bonheur, nous vous proposons deux largeurs de fourniture pour les soutiens-gorge. Et ça, c'est hyper cool. Donc, on a soit un élastique lingerie. Alors, il est où? Là, celui-là. Je vais m'en sortir. Celui-là, de 1 ou 1,5 de large. Voilà. Élastique et bretelles, 1 cm ou 1,5. Moi, il doit faire 1,5. Une paire d'anneaux régleurs que vous voyez là-dessus. Et attendez que je descends, et une agrafe de 3 ou de 5,7. Alors, moi, elle doit faire 5,7. Voilà, alors ça, c'est le petit élastique. Ça, c'est donc de l'élastique à lingerie de 1 cm. Et celui-là, voilà, j'avais pris donc version grande taille. Toujours, c'est le même prix que vous preniez petite taille ou grande taille chez Fitiou, c'est le même prix, c'est 33,50 €. Donc, vous preniez la version petite poitrine ou grosse poitrine, c'est pareil. Et donc, voilà, là, vous avez un petit encart qui vous dit que ce carton n'est pas très joli, mais que c'est un carton recyclé. Et donc, ça, je trouve aussi ça génial que les cartons soient recyclés. Et je pense que celui qui est à l'intérieur, là, de ma dentelle, c'est exactement la même chose. Mais je trouve le concept très bien, surtout quand la marque le dit. Voilà, moi, ça ne me pose aucun souci d'avoir un carton qui est moche. Et en plus, il n'est même pas moche. Le pire, c'est ça. Il n'est même pas moche, le carton. Et non, il est très joli. Je trouve cette présentation vraiment sympa. Les pauvres filles, elles doivent y passer du temps. Oh là là, les filles, ouais, c'est un truc de dingue. Ouais, non, je trouve la présentation du kit très, très jolie.
Alors voilà, sachez que avec les kits de Fitiou, elle vous donne des indications de quel patron vous allez pouvoir faire dedans avec les kits. Sachant que si vous avez une culotte ou un soutien-gorge qui ressemble, voilà, ça vous donne une idée quand même de qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec ce kit de chez Fitiou, même si vous avez d'autres patrons de lingerie chez vous. Donc ça, pareil, je trouve que pour 33,50€, vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire votre soutien-gorge ou deux culottes. Est-ce que je vous ai dit? Oui, deux culottes, je crois. Je revérifie. Donc, par exemple, avec ce kit, tu peux couper et coudre jusqu'à un soutien, voilà, un soutien-gorge smoothie ou un cosmo, un tanga plus un boxer, un soutien-gorge chéri bala en taille XL, plus une culotte IPA ou paya taille XL. Alors, sachant que XL, moi, c'est ce que je mets en culotte. Donc, 46, pardon. Donc je trouve ça super bien. C'est un super bon kit. En plus, régulièrement, ça change de couleur. Donc, allez voir les kits qui restent encore. Bien sûr, tous les kits dont je vous ai parlé, je vous mettrai les liens. Donc, à part le kit Je fais mes dessous, qui je vous mettrai le lien, mais vous ne pourrez pas aboutir puisque le prochain kit sera en été. Mais voilà, ce sera la même page, je pense, que cet été. Et les deux derniers kits, alors je vous en avais déjà parlé, c'est des kits de chez Idonim. C'est des kits qui sont aux alentours des 20€. Moi, j'en ai payé un 23,50€ et l'autre 26€. Dans ces kits, vous avez tout pour faire votre lingerie. Voilà. Alors, dans le kit à 26€, donc c'est celui... attendez que je vous dise pas de bêtises. C'est celui où il y a la marquisette. Ouais. Donc, dans le kit à 26€, on a 50 cm de tissu polyamide. Donc, voilà, du tissu tout doux, microfibre. Voilà. On a 1,50 m de broderie. Donc, celle-ci, c'était la blanche. Il n'y en a plus sur le site de celle-ci, hein, ce que je vous le dis. Donc, 1,50 m de celle-ci. On a 50 cm par 75 de marquisette. Voilà. On a 1,50 m de bretelles. Alors, attendez. Boum, boum, boum. Voilà, en satiné d'un côté et doux de l'autre. 1,50 m. 3,50 m d'élastique de soutien à picot. Alors, ça doit être celui-là. Oui, c'est celui-là. C'est celui qui va dessous. 1 m de cache armature. Voilà, voilà. Et après, ensuite, on a un jeu d'attache pour soutien-gorge. Donc, voilà, là, l'attache avec le petit truc. Deux anneaux régleurs et un anneau. Et un nœud. Alors là, c'est un kit, on va dire, plutôt petite poitrine parce que c'est un tout petit régleur derrière. Voilà, moi ça me convient, ça va dépendre le modèle que je vais faire, ça va très bien aller. Ou peut-être que je le ferai pour l'offrir. J'ai envie d'offrir des soutifs. Alors la fille, je ferai des toiles avant. Donc ça c'est le kit à 26€ et dans le kit à 23,50€, parce qu'ils n'ont pas tous le même prix, c'est selon le métrage et la fourniture qu'il y a dedans. Et surtout, voilà, ça dépend de la qualité et la quantité de choses qu'il y a dedans. Voilà. Et à 23,50€, j'ai donc 2,50 m de dentelle brodée. Bah alors, celle-là, elle n'est pas stretch. Voilà. Alors, elle est un tout petit peu stretch comme ça, mais vraiment pour beaucoup. Hein. C'est vraiment, elle est plus un peu comme ça. Voilà. Donc, 2,50 m. J'ai de la marquisette. Toujours. 50 cm. Et j'avais pris aussi celui-ci avec du power net. Ah non, mais ça doit être ce kit-là qui est à 26,50€. Oh, je ne me rappelle plus. Je ne l'ai pas retrouvé sur le site. Donc avec power net, je crois que... Et ça, c'était du strong. Vous voyez, alors, il est vraiment très strong. Hein. Celui-là, à mon avis, aucun aîné ne tombe dans ce power net. Hein. Oh, je vous jure, il est vraiment extra. Et pareil, vous allez trouver donc des bretelles...
1,50 m de bretelles, 3,50 m de d'élastique sous poitrine, et puis d'élastique qu'on peut mettre aussi sur... ils appellent ça des élastiques de soutien à picot, voilà. 1 mètre de cache armature en 10 mm. Et là, j'avais pris l'option soutien-gorge, donc large, parce qu'on peut choisir l'option. Donc, avec trois agrafes. Et donc, pareil, les petits régleurs, le nœud. Voilà. Donc, ça, c'est des kits qui... Alors, les deux kits que je vous ai fait voir, là, voilà, ils coûtent entre 20 et... on va dire entre 20 et 27 euros. Ce qui est très, très raisonnable. Et, ma foi, vous avez tout. Vous avez tout. Tout pour faire un soutien-gorge. Alors là, vous allez faire par contre qu'un soutien-gorge, on est bien d'accord. Que ça soit dans le premier kit ou dans le deuxième de chez Idonim, vous allez ne faire qu'un soutien-gorge. Vous allez peut-être pouvoir caser une culotte avec en récupérant les chutes de du tissu et de la dentelle. Donc peut-être que vous allez pouvoir faire un ensemble, mais voilà, je vous garantis pas, hein, parce que j'ai pas encore essayé, donc je peux pas vous dire 100% sûr que vous allez pouvoir faire un soutien-gorge et une culotte, mais pourquoi pas. Je pense que c'est possible selon comment on place ces pièces et selon la taille que l'on fait aussi. Donc voilà, donc tous ces kits, bien sûr, j'ai pas précisé au départ, mais je les ai tous achetés avec mon argent. Voilà, il n'y a pas de partenariat, pas de choses comme ça. Voilà, j'ai acheté tous mes kits. Je voulais absolument vous parler de tous les kits en même temps. Caro a fait des vidéos dédiées de chaque marque. J'essaierai, si j'y pense et j'espère y penser, de vous mettre... je vous mettrai le lien de sa chaîne pour que vous puissiez aller voir les dernières vidéos qu'elle a fait sur le sujet, sur les kits. Comme ça, vous aurez aussi un autre avis que le mien sur ces kits lingerie. Si je rachète d'autres kits plus tard, je vous le dirai. Je voulais acheter d'autres kits, mais j'ai pas encore trouvé. Enfin, il n'y avait pas ce dont j'avais besoin, enfin ce dont j'avais envie. Donc, ça viendra peut-être plus tard. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné plein d'indications sur tous les kits lingerie que vous pouvez trouver, enfin que moi j'ai pu acheter. Bien sûr, ce n'est que mon avis. Peut-être que voilà, vous allez trouver ça trop cher. Ou pas qualitatif, ou qui manque des choses. Voilà, tous les kits ne sont pas parfaits. En tout cas, moi, tous ceux que j'ai achetés, je les adore. Je vais tous les coudre, ça c'est sûr. Peut-être pas tout de suite, mais je vais tous les coudre au fur et à mesure quand j'aurai un projet qui me viendra dans l'esprit. Pour l'instant, je m'exerce quand même sur des matières un peu moins chères pour pouvoir maîtriser les techniques et pour pouvoir maîtriser les modèles que je veux coudre. Mais voilà, sachez que voilà, j'ai acheté tout ça parce que j'adore les couleurs, elles sont toutes, elles sont tous magnifiques. Et voilà, j'ai hâte de faire un modèle dans chacun de ces kits. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, j'étais ravie de vous parler de tout ça. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt.